Yahoo Bidimancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une présentation de hentai et aujourd'hui on va parler de Onedari Pushism, si je prononce bien. Donc juste, c'est un manga qui date de 2019 au Japon et de 2022 en France. Nous sommes sur un hentai des éditions Hot Manga, j'ai oublié de regarder le nom du mangaka. Nekomata Naomi, ça me dit quelque chose mais j'en suis pas sûre, voilà. Donc on va d'abord parler des couvertures parce que ça va aller très vite et après je te parlerai du coup de mon avis sur le manga. En ce qui concerne les couvertures, j'adore l'illustration parce qu'on est sur une fille en kimono, on voit qu'il y a les feux d'artifice, donc il y a la fête, etc. Le gros défaut en fait, c'est qu'on va très vite le voir quand on aura lu le manga, que c'est uniquement le dernier chapitre et c'est un chapitre en plus qui dure quelques pages, donc je trouve ça vraiment très 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 dommage. Ça me vendurait pour une aventure que je ne vais presque pas voir. Pour ce qui est de l'arrière, on a donc une tenue d'une jeune fille, enfin au moins une jeune fille avec un sac de Père Noël, de Mère Noël. Et en fait, je suis obligée de flouter ça, forcément, mais c'est rempli de jouets pour adultes, voilà. Et au niveau de la tenue, bah, elle est en Mère Noël et elle a donc des sous-vêtements qui commencent à s'enlever, en fait, vu qu'elle est en train de chuter, de faire un saut, donc ça, c'est en train de se barrer. En ce qui concerne ça... positif parce que vraiment on a réellement une histoire avec une mère Noël, etc. Négatif, ça n'est pas la bonne tenue. Mais c'est juste le seul truc négatif que je veux vraiment avoir à dire. Parce que sinon je trouve ça sympa, ça donne envie. Après dommage, il est sorti vraiment au début d'année 2022. Après avantage pour toi vu que je le présente qu'en juin. Éventuellement ça peut être l'idée à offrir, du coup le hentai à offrir pour Noël. Parce que justement il y a ça. Et il y a un petit chapitre de Noël et il est vachement cool. Donc ensuite, en ce qui concerne les histoires, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bon, ok, il me semblait qu'il y en avait un peu moins, mais bon. Oui, mais c'est surtout que la première, voilà, elle dure 5 pages, c'est pour ça. Alors, à savoir aussi que dans ce manga, comme le précédent hentai, on va avoir quand même une étudiante parce que elle est... on entend qu'elle... Enfin, ils le disent qu'elle est au lycée. Donc techniquement, elle est mineure et elle, est avec un, elle fait avec un majeur. Voilà, donc c'est juste une prof et son élève, enfin un prof et son élève fille, donc voilà. Ensuite, on a main droite de substitution. En fait, on suit les aventures de deux personnes qui se connaissent. Alors, j'ai pas réussi à comprendre le contexte, si c'était des cousins, si c'était juste des camarades de classe et tout ça, mais en tout cas, un peu comme moi d'ailleurs, main droite de substitution. En fait, la jeune fille s'est blessée à la main, donc elle a un bandage au niveau des doigts, donc elle peut vraiment pas utiliser sa main. Et il s'avère que donc elle va demander à un garçon de l'aider, un garçon qui lui plaît apparemment parce qu'on voit très clairement qu'elle s'amuse à jouer dès le départ avec lui en disant au départ « Oh j'ai besoin d'aller aux toilettes, donc est-ce que tu peux au moins m'enlever mon collant, la culotte je devrais y arriver mais mon collant tu peux me l'enlever s'il te plaît ?» Et puis après elle dit, une fois que c'est fait, elle va dire « Ah ouais mais j'aurais bien besoin d'une douche, donc est-ce que tu peux au moins me frotter d'eau parce que ça je pourrais pas y arriver » et tout ça. Et donc elle va continuer jusqu'à ce qu'elle tombe dans les filets, donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est mignon, c'est une histoire que j'ai su apprécier et... j'ai rien à redire. Ensuite, donc, la troisième histoire, on est... j'ai perdu le nom, pardon. Pour la troisième histoire, c'est l'invité de Noël. Donc, c'est le fameux chapitre avec la fille en Mère Noël. Dans ce chapitre, on va tout simplement suivre les aventures d'une jeune femme qui travaille donc dans un truc par rapport à Noël, sûrement la vente de chocolat ou autre. Et pour vendre, ben, elle a très bien compris que si elle était en tenue de Mère Noël, elle allait vendre un peu plus que ses collègues. Donc elle assume, elle le fait, et seulement en rentrant chez elle. L'appartement à côté, ils ont décidé de faire une soirée qui est un petit peu arrosée, ils ont déjà bu un peu trop d'alcool, et ils vont vouloir en fait l'embarquer avec eux, sauf qu'elle, elle n'est pas spécialement d'accord. Donc on va tout simplement voir un de ses voisins qui va intervenir, qui va dire, qui va la prendre dans son appartement, il va lui dire viens parce que sinon, de toute façon tu peux pas rentrer chez toi. Et oui, j'ai encore failli me casser la gueule. Oui, tu peux pas rentrer chez toi, donc reste chez moi en attendant que ça se calme et puis dès que tu verras qu'ils se sont calmés, tu viens. Voilà, et on va voir, on va découvrir en fait l'envers du décor, pourquoi elle a été réellement dans cette tenue et tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très 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 original. Et j'adore sa bouille en plus, elle est trop chou. Ça, par contre, je tiens à préciser, c'est la deuxième fois que je suis obligée de refilmer cette vidéo. Parce que la première fois, je pensais l'avoir filmée et je l'avais filmée le lendemain d'avoir lu le manga. Là, ça fait une semaine que je l'ai lu. Donc voilà, je suis obligée de recommencer parce qu'il y a eu un souci de l'enregistrement. Mais c'est plus d'actu. Ensuite, on a Jeu inégal. Donc là, on est avec une jeune fille qui tout simplement craque sur un de ses collègues. Et malheureusement, en fait, son problème, c'est que lui, donc, il est assez grand et
assez large, on va dire ça comme ça, hein. Il est assez rondouillard, mais c'est pas non plus le truc obésité morbide, etc. Et je le redis au cas où, j'ai été obésité morbide, donc je peux me permettre de le dire. Mais c'est pour te situer, voilà, il se porte bien, c'est une bonne charpente, ça me fait un peu penser à mes deux frères de cosplay, mais tout va bien. Bref, toujours est-il, en ce qui concerne donc la jeune fille, ben, à chaque fois qu'elle commence à draguer un mec, personne ne la prend au sérieux, tout simplement parce qu'elle est toute petite. Elle a une apparence assez jeune, même si on nous fait comprendre qu'elle est adulte parce qu'elle a un travail. Et pas un travail genre caissière ou quoi, c'est vraiment un travail où t'as quelques années d'études par derrière. Mais voilà, elle fait jeune, elle est toute petite, elle a pas beaucoup de poitrine, me semble. Ça, c'est, je trouvais ça cool justement parce qu'on avait un peu de tout au niveau des poitrines. Elle a pas vraiment beaucoup de poitrine et donc du coup, bah, elle essaie quand même d'allumer le mec dont elle est amoureuse tant bien qu'elle peut. Et elle dit bien que même avec son apparence en fait un peu enfantine, sa propre mère lui dit en fait t'arriveras jamais à rien avec les mecs quoi. Voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt cool parce que ça permet aussi de se projeter, voilà, qu'il n'y ait pas que les filles de taille normale ou quoi, là j'ai trouvé ça plutôt cool. Ensuite on a Faveur déloyale, ensuite les aventures d'une cosplayeuse, ça me fait rire parce que je vais me remettre au cosplay il y a quoi, une semaine. Tout va bien. Donc là on suit les aventures d'une cosplayeuse, en fait elle est dans son cosplay, seulement il y a un de ses boutons qui va s'ouvrir et c'est une chemise. Donc il y a un mec qui se dit tranquille, yolo, bah, je vais prendre en photo. Et il y a un autre mec qui voit la scène et qui s'interpose. Et donc la jeune fille, elle va l'emmener avec elle pour le remercier en lui disant voilà, merci, c'est gentil, le temps qu'elle se rechange, enfin qu'elle arrange son problème. Parce que je sais plus si c'est le bouton juste qui s'est enlevé ou s'il est tombé, mais bon. Et ça va un petit peu déraper. Ce que j'ai aimé, donc du coup, c'était qu'on abordait le thème du cosplay, qui est un thème que j'apprécie tout particulièrement. Et voilà, mais en plus je la trouve trop choupie. Bon, là on n'a aucune page des deux côtés qui craint, mais regarde-moi ce bouille. Et comme tu vois, voilà, il y a le bouton qui s'est défait et il y en a un donc qui se dit bah, c'est tranquille, et l'autre il est vraiment intervenu quoi. Et ce que j'aime aussi, c'est la page finale au niveau de leur relation qui montre la fin, c'est trop mignon. Ensuite, la vidéo de la rumeur, je vais juste te dire qu'en fait c'est une jeune fille, on dit qu'elle a en fait posté une vidéo sur les réseaux sociaux d'elle en train de le faire, alors que c'est pas vrai, donc elle essaie de trouver une solution et elle va demander de l'aide du coup à un gars qui est dans le club vidéo. Je te laisserai découvrir, c'est plutôt pas mal parce que ça change un petit peu. On a après, c'est toi le meilleur joueur, et on est avec une jeune fille qui donc est à l'école. Elle voulait rentrer dans un club pour en fait soutenir les sportifs. Donc, où est le garçon? Je crois que c'est du baseball, je ne sais plus. Et elle se pensait, tu sais, avoir la veste là, un peu de mec avec le bandage, tu sais, en mode garçon manqué et tout. Je grossis des traits, je le rappelle. Et en fait, non, elle se retrouve en pom-pom girl avec une tenue très très courte, très très sexy, très très voilà, provoque, etc. Et donc finalement, elle se dit, ok, pas grave, je vais m'entraîner. Donc elle s'entraîne à faire des mouvements et tout ça de soutien et autres. Et le garçon dont elle est amoureuse, en fait, va la filmer avec son accord, je précise. Et justement, bah, en fait, à voir ça, comme elle lève la jambe, on voit la petite culotte et donc forcément ça le fait réagir et c'est là que tout va déraper et j'ai trouvé ça vraiment plutôt sympa et plutôt mignon. Voilà, ça je trouve ça mignon, c'est sympa, c'est agréable et puis c'est tout. Ensuite on a donc les deux derniers chapitres qui est Ensemble pour toujours et Bien serré. Je te laisserai donc découvrir ce qui se passe dans ces deux chapitres en lisant toi-même le manga. Pour ce qui est de ma conclusion, j'ai eu un énorme coup de cœur méga gros ou méga, je suis pas trop sûre parce que ça date un petit peu maintenant, mais je suis entre le gros et le méga coup de cœur pour ce titre, je l'ai vraiment apprécié. C'est un titre vraiment que je vais garder avec plaisir et que je vais relire surtout avec plaisir. Je pense que je vais me le garder du coup au niveau de Noël pour relire le chapitre principalement de Noël, mais j'ai vraiment aimé aussi les autres histoires, donc je le relirai tu vois au niveau de Noël pour me faire mon petit délire, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de titres sur Noël, donc du coup à part là, ici, je crois que c'est ici. Ouais, c'est là. J'ai l'étrange Noël de Monsieur Jack et l'étrange Noël de Zéro. Donc, à part ça et Père Fouettard Corporation, on n'a pas grand-chose du coup en titre de Noël. Donc, je vais me le relire pour cette période. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. À savoir aussi que maintenant, il y a une petite animation quand tu likes la vidéo. Donc, ça donne envie en fait de la liker.
Je te mets ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted dans la barre d'infos. Tu as les liens vers mes autres réseaux sociaux, des codes promo pour pas mal de sites. La dernière vidéo, Hot Manga, et la playlist Hot Manga. Sur ce, à bientôt et à la semaine prochaine pour un nouveau hentai. Il m'en reste encore un, deux Hot Manga à te présenter avant les éventuelles nouveautés. Et sinon, il y a de toute façon les autres maisons d'édition que j'ai encore à présenter. J'en ai trois autres en retard.